des troubadours anglais à la Maison Bulle. Samuel et Marcus, que j'ai rencontrés au Startup Weekend 2019 à Châteauroux, ont manifesté leur intérêt pour la Maison Bulle et donc sont passés me voir le dimanche, je ne sais plus combien, 3 février je crois, ou 5 février, je ne me souviens plus, pour visiter la Maison Bulle. Alors Marcus, au final, il n'a pas pu venir, c'est son père Fred qui a accompagné Samuel, mais comme ils étaient anglais et que Fred ne parlait pas français, et Samuel, il est là depuis une dizaine d'années, donc lui, il a fait la traduction en fait. Donc j'avais fait quelques plans vidéo comme ça que je vous propose de regarder et je vous retrouve juste après. Moi ce que je voulais c'était donc une maison bioclimatique et il fallait qu'elle soit orientée plein sud. Et donc là le sud c'est le village de la Châteauroux. So you had to find a place which was in order for it to work, you had to find a place which is orientated directly south. Okay. And that's directly south, yes. The village of the Châteauroux. Right. Why south? Pourquoi? Pourquoi il faut que ça soit orienté complètement sur... Ah, c'est la maison bioclimatique, oui. Pour que elle fonctionne bien. C'est orienté plein sud. C'est une des caractéristiques. So one of the ways that for this sort of house, the sort of development to function is that it has to be oriented completely to the south. Right. The because heat, because the sun. Yeah. Right. Okay. Le seul en fait chose qui va être après. Quand c'est tout enterré, la seule chose qui sortirait, ce sera des tours, non? Exactement. Ah, oui. Yeah. On verra que les plus lumières. Oui. The light wells. Yes, it'll look good on the landscape. Mm. Un autre principe d'Antilovac, par exemple, c'était de dire que lorsque l'on va se coucher le soir, on se déshabille d'abord, on se lave et après on dort. So when you the principle is that when you go to bed at night, first of all, you're going to take your clothes off, wash, and then go to bed. Yes. Et donc l'idée, alors j'ai pas tout à fait respecté ça dans cette chambre-là, mais j'essaye de le faire dans les autres chambres, c'est de faire un couloir qui dessert un dressing. Ensuite, après le dressing, il y a la salle de bain. Et après, normalement, il devrait y avoir l'accès à cette chambre-là. Bon, j'ai fait... Là, c'est un couloir qui est en cul-de-sac, on appelle ça, en voie sans issue, mais c'est bien quand même. Donc, je vous invite... So this is the corridor. He didn't quite respect the idea of going from one to the other, yes. But you still got the same thing. In theory, at the end of the corridor, you'd enter the corridor, you'd go through these stages, and you'd enter the bedroom at the end. Right. But this way, you've obviously got to go to the corridor and then come back to the windows. Bedroom. But the other bedrooms, he's thinking about doing using that principle. So you go through the corridor into the bedroom via the stages of getting to bed. Yeah. But it's not a problem. Oui, c'est pas un problème. Et est-ce qu'on pourrait refaire une porte dans l'autre côté ou c'est compliqué? Pour aujourd'hui, c'est compliqué. Pour cette fois-ci, c'est compliqué. This time it would be complicated. Right, but j'ai bétonné. But it could, because it's already done in concrete and it would maybe affaiblir la structure peut-être. No, it wouldn't. It wouldn't make any weaker the structure. No. It would just be complicated to take out. It can be done. Oh, it could be done. Yeah. In normal build houses with bricks, you couldn't do that. Okay. Allez, mais tu pourrais peut-être faire un trou. Oui. He could just do another hole. Je pense à un truc. Je pense à un truc peut-être te rappeler un jour, si tu veux, pour faire une visite en anglais. Ah oui. Parce que ce serait bien pour mes abonnés d'avoir une visite en anglais. He says he'll give me a call for another time where I can come and do a complete visit in English so he can put it on his website. So for his people. Il fait très anglais. Yeah. J'adore mes vacances. He says I'm really English with my moustache. Yes, I'm trying to go. Il essaie aussi. En France, on appelle ça les bacantes. They're called bacantes in French. Un bacant. Bacchante. Ouais. J'ai eu les bacchantes. Ah oui, before he had those. No, it's from the brocante. Yeah, well, c'est le bacchante qui vient de la brocante. Ah. Donc là, c'est la pièce de vie avec ce qu'on appelle le hamac. Donc, c'est Antilovac. This is a hammock. It's okay. Called, this is the style. Right. Chez Antilovac, c'est comme une mezzanine. It's like a mezzanine. Yeah. Alors normalement chez Antilovac, dans les maisons d'Antilovac, c'est une mezzanine et il y a trois ouvertures qui permettent en haut en général c'est un salon par exemple. Usually at the top would be like a living room. Et
tu peux discuter avec la personne sans être à côté d'elle. So you can talk to the person who's here without being next to them. C'est-à-dire que la personne peut lire un livre, tu peux être en bas. Yeah. So someone could be up there reading or whatever, and someone else is at the bottom and they start a conversation. Oh, we'll fill the fit. Exactement. C'est un endroit pour faire la fête. C'est ce que ma femme voulait. C'est un endroit pour faire la fête. His wife wanted to create a place to where you can have a party. Right. And this is really, he's designed for that purpose, with that purpose in mind. Donc moi, j'ai fait une chambre. On ira voir tout à l'heure ma chambre. Donc là, c'est un buffet pour les réceptions quand il y a des gens. C'est pas pour when people are here. Tu vois, j'ai pensé à faire les prises de courant. Plugs. Ils sont en dessous et il y a des trous dans le passer les câbles. Et c'est calculé pour que ça ne pose pas un problème en fait. Il n'y a pas de calcul. There's no calculation, no. Parce que c'est la forme de la voûte. It's the vaulted form. La voûte, si c'était plat, peut-être qu'il y aurait un risque d'affaissement, quoi qu'en béton. Mais là, comme c'est une voûte, il faudrait que la terre elle écrase la voûte, c'est pas possible. C'est comme quand tu prends un œuf dans ta main. Ah oui. Tu es chef cuisinier. Tu as déjà pris un œuf comme ça et tu as essayé de le casser? C'est pas possible. C'est le même principe. I went to Gran Canaria and we went into a cave and we went in and it was like this and it opened up to a restaurant which was 200 seater in pods of about 20. Il était allé à Gran Canaria et il a mangé dans un restaurant qui était dans une grotte qui avait 200 couverts dedans. Pour manger, c'est un architecte à Grande Canaria, c'est un architecte. And an architect who designed it? Yeah, oui, oui. Monroe, the manager when he had another child. He just Manrique. Another bedroom. Manrique ou Manrique. You know the name of the architect? No, he's a long time ago. But in this pod I could speak to you. You couldn't hear me, but he could. D'une façon un peu dans l'écho, quand on parlait avec ton voisin, il ne t'entend pas, mais la personne là-bas pouvait entendre parce que c'était... Yeah, you speak to me, ok. Exactement. C'est combien pour construire selon toi à peu près? Je pense que la maison là va me revenir à moins de 100 000 euros. So it's gonna, in total, it's going to be less than 100,000. To build? Yeah. Que la maison, just the house. Hein, le terrain à côté, et le prix inclut le garage qui sera au-dessus, qui va faire 120 mètres carrés à peu près. She's going about 120 meters squared. Yeah, all this eventually be worth less than 150. Like yeah, probably. It'd be worth like 3. Mais le problème, c'est la main d'œuvre. C'est très très long. Yeah, what's the problem is not so much the materials, it's really the work. Yes. It's very long to do. Yes. Si vous êtes d'accord, on va chez Luc. Oui, avec plaisir. So we go and check out the other one. Bon, on est parti alors. Oui, super. Voilà, si la vidéo vous a plu, ben je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu. Vous pouvez bien sûr la partager, mais ce qui serait sympa, c'est de me laisser un petit commentaire. Peut-être me dire, Philippe, on aimerait bien une vidéo en anglais. Et c'est ce que j'ai proposé à Samuel. Je lui ai dit, Samuel, est-ce que tu aurais du temps un jour pour revenir et qu'on fasse une vidéo en anglais? Il m'a dit, pas de problème. Donc si vous avez envie d'avoir une vidéo en anglais, ben, dites-le moi dans les commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos. À bientôt. Ben, Philippe, on aimerait bien... Hop. Ah, les aléas du direct et un coup de vent. Je le remets. Samuel avait pitché et moi-même. C'est complètement nul. Voilà, c'est complètement nul. Alors, je vais faire comment? Je recommence. Des troubadours à la maison Bulle.